On a tout de la pression. Tu sais, tout le monde veut gagner, tout le monde veut avoir du succès. Robitaille scores! Hockey King of Los Angeles, Luke Robitaille. Je me suis jamais dit, oh, ça va bien, j'ai du succès. Je pense que le seul jour que je me suis assis, c'était une fun ride, c'est lorsque je me suis retiré. In 52 years of history, we've had a lot of great players, and Luke is at the very, very top. Luke Robitaille was drafted as a king, became a Hall of Famer as a king, and now is the president of the club. J'ai toujours été le genre de personne que je me mets de la pression dans ce que je fais. C'est la même chose. C'est pas comme à Montréal où tout le monde connaît Bergevin ou tout le monde connaît le coach. C'est vraiment lui qui est comme la pierre angulaire de l'équipe. Go Kings, go! He's such an impactful leader for our organization. When Luke talks, people listen. Il sait où ce qu'il s'en va, tu sais. C'est ce qui fait qu'il a une belle vision puis qu'il est un bon président. Beaucoup de ce que j'ai appris en tant que joueur, je l'amène du côté affaires avec notre staff. Puis on parle toujours d'essayer d'être une équipe. Puis je pense que tout le monde qui gagne la Coupe Stanley comprenne ça. Donc, c'était bien important pour moi d'avoir tout le monde qui ait le même message. J'ai été chanceux. En jouant à Détroit, il y avait une très bonne culture. Tout le monde a le même message. Tout le monde parle toujours de gagner, mais de bien traiter le monde, tout ça. Hey, Pat, I gotta go to the meeting and bring my own crew. Lorsque je suis revenu avec Los Angeles, c'était ça le but, c'était de changer la culture des Kings. This is serious today. I'll be really serious. I'll bring my own crew. C'est une atmosphère familiale. C'est bien important. Et puis, tout le monde travaille fort. Ça veut pas dire de toujours avoir une face de bougonneux, tu sais. Trade him! Trade him right back down! Tous les détails, il faut être bien important. Ouais, je vais donner un exemple. J'étais allé voir le gérant général dans le temps. Je lui disais, hey, on achète des shakes à chaque semaine. Tu penses-tu que l'équipe voudrait payer? Il dit, oh non, on n'a pas de budget. Fait que là, je dis, pas de problème. Fait que je m'en vais à Détroit un an plus tard. Le premier jour que je suis là avant le camp, le trainer vient me voir et il dit, hey, Luc, il dit, tu prends-tu des shakes, toi, après les games? Je dis, ben oui. Et il dit, t'aimes-tu ça aux fraises, au chocolat, à vanille? Je dis, hey, t'es sérieux? Je dis, ben, j'aime bien aux fraises, ben à vanille. OK, il écrit tout ça. Il dit, inquiète pas, on va s'occuper de toi. Il dit, on veut juste que tu nous aides à gagner la coupe. Je dis, wow! Tu sais, on parle du mot culture. Tout le monde dans cette organisation-là, il parlait de tout ce qu'il pouvait faire pour aider les Red Wings à gagner une coupe. Puis tu sais, j'ai jamais oublié ça. It's moving, our locker room, hein? Looks good. It's moving quickly, I like it. He changed quite a bit from the time, you know, he came off the ice and started working with us in the office, becoming president of business operations. And throughout those years, I think it's 10 or 11 years now since he's been in this role working with us, he's really learned to adapt. I mean, when it's time to get down and have meetings and get down to business, Luke's business like anybody else. The lighthearted and the business side also helps keep our staff pretty balanced as well. And you know, it's a tough grind in this business. You can totally feel his energy, his personality. Shakes everybody's hand. Whether you sell popcorn or you're Jose Kopitar, you're a part of his family. Nice to meet you. Hi, Wyatt. Nice to meet you. Stu. Thank you for coming. I really appreciate you guys. You know, for example, this morning there's three veteran guys out there. They were hanging out. They were coming to watch practice, and Luke seen them and ended up inviting them to the game tonight and put him on the ice and wanted them to play an harmonica. It's little things like that that people don't ever get to see. La première chose que je fais, je regarde toujours du côté positif, puis j'essaie de traiter le monde de la façon que je vais être traité. Mais comme je dis des fois à mon staff, puis ils rient tout, oubliez jamais, j'ai été suspendu, je pense, trois fois dans ma carrière. Les fois que j'ai été suspendu, je pense que je n'avais assez. You still got that fiery temper, so. But never yelling at people or anything like that. Let's go meet those guys. But you guys got to see us. Come on, dummy. Yeah. I would love to have him, and then. Sometimes Luke likes to tackle the art of impossible. You know, sometimes logic doesn't always make sense, but then it works out in the end. I always look at it from the fact that, you know, Luke is a hockey player. Being drafted in the 9th round overall, so many people told me he wasn't going to make it, and so many people told me he couldn't do it. So
that's kind of the way he applies business as well. So he really pushes the staff and everybody to look for that art of impossible. J'ai joué 8 ans avec les Kings, même si j'ai gagné des coupes avec les Canadiens. Après ma carrière, j'ai revenu avec les Kings et c'est là que je suis devenu gérant général. Avoir repêché Luc Robitaille, ça a été un bon coup pour moi. J'ai été à l'avoir joué à Hull pendant 2-3 fois durant l'hiver. Et j'aimais bien ses mains. Et quand il était à l'envers du net, là, quand la rondelle arrivait, elle était dans le filet. Mais mes éclaireurs me disaient, ben, il y a beaucoup de problèmes à patiner, on ne sait pas s'il va faire la Ligue nationale, on peut l'avoir plus tard, durant la journée. Alors, quand on est arrivé à la 9e round, là, j'ai dit aux éclaireurs, je m'excuse, mais c'est moi qui choisis. Alors, allez chercher Luc Robitaille. Alors, c'est le même qui est arrivé avec les Kings. Luc était constant, productif. C'est les deux mots qui viennent, puis naturellement, le succès. Bon, aujourd'hui, je suis un agent qui représente tout près de 80 joueurs, puis Luc Robitaille, ça a été mon premier client. On a toujours beaucoup de conversations, la manière de manager ça, et puis définitivement que c'est un gars qui m'a aidé. Mais on était les deux très près, on avait each other's back. Tu sais, on a toujours eu... aussi une vision, je pense que le même appétit. Je suis pas sûr que Pat ou moi, on regarde, on a eu du succès parce que à tous les jours, on essaie de s'améliorer. Tout ce qui entreprend, tout ce qui réussit, je suis pas surpris de Luc parce qu'il y a une persévérance hors pair. C'était sa plus belle qualité comme joueur de hockey. Il avait un talent, naturellement, toute une persévérance. Puis Luc qui, quand il ne connaît pas quelque chose, bien, il va l'apprendre, puis il est tenace. Puis il a une personnalité hors pair, une super personnalité. Les gens l'aiment. C'est un gars qui est extrêmement simple, extrêmement gentil. Dès le départ, j'ai senti que parce que j'étais un gars du Québec qui habitait ici, il y avait comme tout de suite beaucoup d'intérêt à comme cultiver une certaine forme d'amitié, tout ça, parce qu'on était des Québécois à LA. Puis depuis ce temps-là, on garde contact, puis on a fait plusieurs choses qui ont en lien avec Simple Plan, puis le hockey ici, puis c'est comme ça qu'on se connaît. Ben, je pense que Luc, il a son plus grand leg à cette ville-là, c'est d'avoir fait tomber en amour avec le hockey beaucoup de gens. C'est pas une ville où les enfants, comme naturellement, disent « je veux jouer au hockey ». Donc, l'équipe fait beaucoup d'efforts, je pense, pour être capable de rejoindre les jeunes puis les inciter à découvrir le hockey. Puis, il est beaucoup impliqué là-dedans. He does, he does. I think, you know, he knows where he came from and he'll never forget that and how far he came with the game. And I think he still, you know, thinks every day about what he can do to give back. We just had meetings actually last week and Luke attended them and we're looking at different ways to help still grow the game. Il y a 3 ans, on a commencé la High School League, tu sais, et puis la Ligue secondaire de hockey. Et puis, c'est une chose qui est très forte aux États-Unis, donc on a plus d'équipes à chaque année. The Kings winning 2 Stanley Cups is a big part of that. They help get them here, and then it's up to us to really keep the kids in our program. So it's been a win-win combination for all of us. Si tu travailles pour une équipe de hockey, tu es un ancien joueur de la Ligue nationale, même si tu es le gérant général ou tu es le head scout, ça, tu devrais toujours être un ambassadeur parce que tu as eu la chance de jouer ton rêve. Le meilleur qu'il y a eu dans le monde du hockey, c'est Jean Béliveau. Il n'a jamais oublié l'impact qu'il avait dans la communauté. Je pense que c'est ça qu'on devrait tous jamais oublier en tant que joueur. Luke's just a fun guy. I mean, always with a smile on his face. We call him Luke. Still today? To this day. He'll always be Luke. Oh, yeah. À
part des joueurs actuels qui sont sur l'équipe comme des grandes vedettes comme Darley, puis Quick, puis comme Kopitar, c'est peut-être le quatrième ou cinquième nom que les gens vont connaître le plus. Il ne faut pas se tromper de penser que c'est pas un marché de hockey, au contraire. Mais par contre, il faut que ça soit entretenu. Il y a toujours du travail à faire. Il faut toujours essayer de garder les gens. Il y a tellement de choses à voir ici. C'est fou, là. C'est même si Gretzky vient de temps en temps, il n'y a pas un rôle vraiment. T'sais, lui est vraiment resté très fidèle au King. Puis c'est vraiment lui qui est tout le temps dans toutes les activités promotionnelles et tout pour essayer de créer ou de maintenir tout l'engouement qu'il y a ici. Go, Kings, go! Luke's personality has definitely made an impact on the way we approach our business. He played the game a lighthearted, almost kid's way. And he's taught us to approach things in that same way. You gotta love this. So to be able to translate that in the way that we market, the way that we communicate with our fans, being able to give the staff that flexibility goes a long way. Ce qui arrive sur la patinoire, ce qui arrive sur la glace, entre les instructeurs et les joueurs, ça, faut que tu respectes ça. Mais ce qui arrive en dehors, la musique qu'on joue, ce qu'on met sur le scoreboard, les vidéos, ce qu'on met sur Instagram ou Twitter ou n'importe quoi, il faut s'amuser. C'est de l'entertainment. Et puis, on avait même dit à nos gars, écoute, si on n'a pas une coupe de téléphone de la Ligue, peut-être que vous ne poussez pas les choses assez, tu sais. Que tu fais avec les lumières, tout ce qui est alentour, ça devrait être intéressant. Puis c'est comme aller voir un film, dans le fond, tu vas voir un match de hockey. Donc, on ne devrait jamais oublier ça, que c'est pas vraiment important ce qu'on fait. C'est le fun ce qu'on fait, mais c'est pas. On ne change pas le monde, là. Faut pas venir fou. T'as pas de pression dans ce que tu fais, c'est parce que t'aimes pas ce que tu fais, dans le fond. Donc, j'aime ce genre de pression-là. J'ai mon gars Kelly Cheeseman qui s'occupe du côté affaires. J'ai Rob Blake qui est gérant général. Et puis, faut que je les trace, mais en même temps, c'est sûr que les décisions, ils passent à travers de moi. Mais écoute, c'est Rob qui bâtit son équipe. Et puis, bon, on a la même vision. On sait qu'on a un bon cœur, qu'on a une meilleure défense de la Ligue nationale, on a un des meilleurs gardiens de pression, puis on a un des meilleurs centres de la Ligue nationale. Donc, on sait qu'on a encore une chance. C'est à nous autres de faire sûr qu'on les entoure avec des bons joueurs. C'est pour ça qu'on est allé chercher Kovalchuk. Et puis, on sait qu'on a une window, puis c'est les 3 à 4 prochaines années. Puis on va y aller pour essayer de gagner la Coupe Stanley. Je suis persuadé que Luc, il va être un très, très bon président avec les Kings parce qu'il travaille très fort et il est très bon avec les fans et aussi, il connaît le hockey. C'est vraiment la personne que les gens savent que, OK, ce gars-là est un Kings pour la vie. Moi, je dis souvent à Luc, il y a une statue à côté du stadium. Ils vont le garder longtemps puis il est heureux. Puis je pense que c'est bénéfique aussi à l'organisation. Bonjour, je suis Luc Robitaille. Si vous voulez voir d'autres documentaires comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Radio-Canada Sports.